Donc bonjour. 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 Alors qui êtes-vous? Meïs Mel. Et monsieur est? Je suis Stéphane, guitariste. D'accord. Thomas, bien vous saluer. Bah c'est le temps de temps en temps, prendre le temps de prendre le temps. J'ai pris le temps d'écrire des chants, de ramasser des bouts de temps. Vous allez sortir un album bientôt, je crois que c'est en janvier. Le 17 janvier. Comment il s'appelle cet album? Écoute s'il pleut. Tu cherches toujours? Simplifié, on peut dire que bon, effectivement on se situe entre la chanson et le rock. Mmh. C'est vraiment pour simplifier quoi. Avec un peu de poésie. Mmh. Dedans. Beaucoup de poésie. Oui, c'est à force d'écrire et composer et de chercher. Mmh. Et de réfléchir à cela. Je cherchais vraiment l'endroit où je pouvais trouver ma place. C'est assez. En même temps, les mots sont assez sucrés, un peu sombres. Mmh. Et un peu de mélancolie et en même temps fort et brut. Je sais pas comment. Non, mais c'est un mélange des deux et qui se marie très bien avec cette musique-là. J'ai su très tôt que je voulais faire ça. Tôt, c'est-à-dire? Je devais avoir 5 ans. J'ai vraiment. Je me suis activée. On va dire, à l'âge de 16 ans, dans les petits groupes, dans les campagnes du sud de la France. Et après, je suis partie toute seule sur Paris pour monter mes propres compos et pour les travailler, pour aussi prendre la température dans la rue, pour voir comment ça pouvait réagir, ou dans les bars, dans les petites salles. Et ensuite, j'ai cherché des musiciens que j'ai trouvés à Strasbourg et à Besançon. Mmh. Pour essayer de trouver une identité musicale parce que je ne suis pas. Enfin, je ne joue pas très bien de la guitare, je manie pas spécialement un instrument, j'ai plein d'idées dans la tête et il faut que je trouve des interprètes pour m'aider à développer la musique. J'ai perdu mon sourire qui pendait pour un rien, il n'y a même plus de plaisir à partager. J'ai vendu ma souffrance, j'ai perdu mon amour, j'ai pleuré mon errance à te chercher toujours dans mes griffes. Moi, j'attends que tu m'appelles. Ah, comme cette chanson est très particulière en effet. Ouais. C'est la plus violente de la manière dont elle est sortie, la plus déchirée, la plus forte émotionnellement. Au niveau d'une crise, que ce soit de larmes, de colère intérieure, une sorte de boule de feu d'énergie qui était là, et voilà. Et la chanson est sortie en 5 minutes. Enfin, quand j'ai 5 minutes, en une nuit, quoi. À peine. Elle est sortie très vite, et qui a tout de suite dessiné la mélodie est arrivée direct en même temps que les mots, tout ça tiré très vite. C'était un moment de ma vie très particulier, dans un moment de solitude très particulier, très fort. D'accord. Donc il y a vraiment une explosion de plein d'émotions qui n'ont pas osé être dites, j'ai pas osé dire pendant des années. La paix des oubliés, celle qu'on cherche. Les dates de concert sont toutes écrites sur une espèce de la semaine. D'ailleurs, c'est qui le gère? C'est toi qui le gère directement? C'est ou... Audrey et moi qui le gère. D'accord. Et sur Facebook, l'actualité. D'accord. Ok. Merci. Merci.